et en relancer immédiatement une nouvelle. Ah, tu as activé tous les terminaux de contrôle. Maintenant, il ne reste qu'à actionner l'unité principale. Regarde ok. Un peu ta carte. Oui, c'est bon, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure. Alors. Faut juste que je retrouve comment on remonte. Ok, je remets le plaf en position. D'accord, je remets le plaf en position neutre. J'ai compris. J'ai compris. Où est le courant d'air magique? Ouais, puis merde. Toucher le sol, c'est pour les faibles et les mecs de gauche. Alors. Ça doit pas être là du tout. Il faut devoir revenir dans le machin central parce que... Non, je suis dans le machin central. Peut-être en prenant ce courant d'air-ci, mais en se lançant d'ici, peut-être. Ça semble être la bonne réponse. Alors. Bonsoir, monsieur F. Bon, à première vue, on continue le jeu, hein. Je pense que ça c'est dit, là, quand même. Mais il va me falloir vraiment... Je vais vraiment avoir besoin d'aide. Hein. Ça, c'est une certitude. Ah. D'accord. D'accord. Méfie-toi de cette créature de Ganon. Non, tu crois? Il y a 100 ans. C'est une erreur qui m'a coûté la vie. Ça me fait mal de te demander ça. Je dois me venger. Tu m'entends? Est-ce que je dois viser le tout petit point bleu? Parce que attention, sinon, t'as un problème. Ces tirs sont précis. Alors reste sur tes gardes. Comment j'évite de nouveau les trucs? Comment j'évite les trucs de nouveau? J'ai pas une parade? Non, c'est pas ce que je veux. Non, ça c'est vraiment pas ce que je veux. Pardon, je récupère ça, excusez-moi. Non, ça c'est l'arc. Putain. Je croyais qu'il y avait une touche pour loquer un ennemi, c'est moi qui... Ah bah c'est bon, je l'ai trouvé. Et c'est cette touche-là pour éviter, ok. Du coup, je suis censé faire comment, là? Il a disparu où, ce con? Bonjour. Une méthode. Ah, 4 cœurs quand même quand tu te prends un coup. Ok. Il est où? Non. Non. Oi. Oi. D'accord, là je me suis repris un coup dans la gueule. J'ai pas préparé de bouffe. J'aurais dû préparer de la bouffe. Les erreurs ont été faites. Bonjour. Ah, le bouclier aussi. C'est vrai que j'avais oublié qu'on a des boucliers dans le jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai comme arme? Épée électrique. Non. On va utiliser des trucs un peu de merde, hein, parce que... Merde. Bon, on va peut-être se soigner. Je devrais bien avoir des trucs de soins encore en stock. Où je vois ce que j'ai en stock, putain. Ici. Ok, c'est bon. Ah, mais c'est bon, j'en ai de la bouffe encore, tout va bien. Alors. Qu'est-ce que je vais choper? Augmente l'efficacité de l'attaque niveau 3. Ça, ça a l'air pas mal, ça. On prend un truc pour la santé, un truc comme ça, ce serait pas mal.
Alors, déjà, donc, chutney de fruits, on est parti. Faut tirer dans la zone bleue avec un arc et des flèches. Ok, on va essayer ça aussi. Bon. Aïe! Ne relâche pas ta garde. Quand vous dites dans la zone bleue, c'est le petit point là? Non! Non, putain de touche! Merde! Je suis trop con! Je suis vraiment trop con! Allez! Ah, il a pas l'air d'aimer ça, hein! Ok, ça c'est déjà pas mal. Il va juste falloir qu'on reprenne un truc de soin, mais ça c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? À part pas une bonne nouvelle, je veux dire. Bon, truc de soin, immédiatement. J'ai pas envie de balancer la max, en fait. J'ai envie de balancer juste un truc qui me soigne. On a juste un truc qui soigne. Viande salée. Voilà, ce sera très bien, ça, déjà, pour commencer. Ouais, je me gourre toujours de touches. C'est quoi ce bordel? J'ai plus de flèches. C'est quoi ce bordel? Non mais ça va les gars, sinon je vous dérange pas quoi. Non sans déconner, j'ai vraiment plus de flèches, j'ai vraiment plus de flèches, ok. Ah, c'est gentil, merci. Bah non, pas même, pas merci du coup. Putain de... Non mais sans déconner, je peux pas me démerder autrement que à l'arc, là. Ok, ça va être lourd. J'ai des flèches de glace, des flèches électriques, des flèches explosives. On va essayer avec les flèches explosives. Le problème, c'est que comme je suis très mauvais à l'arc... Ah, merci. Pas merci. Putain de... Réveille-toi! Ok, c'est pas grave. On a chopé des fées pour ça. C'est pas grave. Bon, ok. Bon, certes. Certes, quand on essaye d'agir avec un peu de méthodologie, ça se passe vachement mieux. Je suis assez homme pour reconnaître mes erreurs. Ça n'a pas l'air de lui plaire spécialement, n'empêche. Hein. Pas l'air d'être un grand fan. C'est le cœur crémeux au centre. Il y a bon le cœur crémeux. C'est quoi, c'est un réceptacle de cœur gratuit, ça? Comme ça, Cash? Je me souviens plus.
Ah oui, réceptacle de cœur gratuit. Ok. Ah oui, mais c'est 15 cœurs par rangée, en fait. Parce que je croyais que c'était 10, en fait, c'est 15. Ok. Encore un, et on peut aller chercher un Master Sword. Bon, ben, ça me semble être un objectif, ça, pour ce soir. Ce que je vous propose, c'est que vous allez me filer un coup de main. C'est pas gratuit, vu que t'as fait un boss. Effectivement. Vous allez me filer un coup de main pour trouver les sanctuaires que j'ai pas encore trouvés. Et on va trouver assez de sanctuaires pour pouvoir choper un cœur en plus, et on va aller chercher un Master Sword. Ben non, vu que c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire dans la créature divine. Donc, on se casse, je suppose. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, on se casse pas. Non, non, il faut activer ça avant de partir. Excusez-moi. Activé. Ah oui, ce soir, on peut encore le faire, je pense. Je pense qu'en une grosse demi-heure, une heure, on va y arriver. Rien d'anormal jusqu'ici. Ça clignote bleu. Ne me dis pas que tu as réussi à la vaincre. Ben si, si, si. Salut gamin. Tu peux être agaçant. Revali, prodige des pléafs. Cela dit, il faut bien avouer que c'est grâce à toi si mon âme a été libérée. J'ai même pu récupérer le contrôle de mes dos. Oh, je t'en prie, tout le plaisir est pour toi. T'es bien débrouillé, je dois le reconnaître. T'arracherai la gueule ? Une récompense est de rigueur, j'imagine. Aussi ? Je vais t'offrir le pouvoir des courants ascendants. La rage de Revali est maintenant tienne ! C'est-à-dire ? Tu parles et tu es en train de prononcer un langage qui m'intéresse, là. J'aimerais que tu ailles plus loin. Ouh ! Est-ce que je peux me propulser en l'air maintenant ? Je vais maintenant me charger de déplacer Medo et la préparer à notre affrontement contre Ganon. Quand tu seras prêt à le combattre au château d'Hyrule, nous serons tous deux là pour t'aider. Et ne me remercie pas, surtout. Merci, Piaf à la con. Ah, Tidus, cet homme de la formule. Vas-y, je ne te retiens pas. Tu as encore beaucoup à faire, je me trompe. Oui, assez, oui. Je crois qu'on a un programme encore. Cela fait si longtemps qu'elle t'attend. Ça va, fais-moi culpabiliser. Je demande que ça, moi, de la sauver, l'autre. Jeune femme. Tu peux échanger un réceptacle d'ondu quand t'as réceptacle au cœur, moyenné en argent. Oui, il y a une statue dans un village qui permet de faire ça. Parce que même que quand tu la rencontres la première fois, elle m'a volé un truc, un réceptacle au cœur, je crois. Et j'ai failli la buter. J'ai failli la tailler en quatre. J'étais dans un état de rage à ce moment précis qui est difficilement descriptible, en fait. Ouh, cinématique. C'est du bel ouvrage, quand même, hein. Jamais de la vie ça tient, le truc de pierre il pète en deux quoi. Jamais de la vie ça supporte ce poids là, ce machin. Est-ce que tu vas lâcher ton super laser toi aussi? Ça sent le super laser. Pas choisir meilleur endroit. D'ici, tu ne risques pas de manquer Ganon. Quand le Gringalet l'affrontera, je compte sur toi pour calmer ce monstre d'un coup bien placé. Pour le moment, il nous faut patienter. Ça fait 100 ans. 100 ans qu'on attend ce moment, toi et moi. On n'est plus à ça près, n'est-ce pas? C'est triste! Je suis bien obligé de reconnaître que je l'avais mal jugé. Ganon, ouais, c'est un mec sympa. Ah non, pardon. Il est arrivé jusqu'à la créature divine. Et il a réussi là où j'ai misérablement échoué. Je m'incline, Link. Tu as gagné.
Ouais! Car la vie n'est qu'un énorme concours de bites. Et ben vous êtes pas dans la merde, les gars. Locke? Locke. Rush de Revali. Le pouvoir de Revali permet de créer un courant ascendant qui vous transporte dans les airs. Maintenant, X, enfoncez et relâchez-le pour l'activer. C'est déjà que je vais me sentir obligé de tester ça immédiatement. C'est génial! Mais je me suis fait chier tellement longtemps sur des phases du jeu pour rien en fait. Aïe, aïe, aïe. Et ça se recharge rapidement cette connerie ou... Ouais deux. Alors avant que je le grille, j'aimerais savoir comment je le recharge, ce truc là. Bon, Télévine, quel soulagement de te voir en vie. Tu as réussi à calmer le main et à poser au sommet du village pour s'en convaincre. Elle a perdu son aspect menaçant. La lumière des créatures divines mettra de protectrice de l'offre village entre la région de l'autre côté. T'offrir une récompense digne de ton exploit, à te servir dans le coffre. Héritage du protige. En portrait du protige Ilien qui s'est battu aux côtés du grand Revali. Lame purificatrice. On raconte que la lame purificatrice porte des projets et sommeille désormais dans une forêt inconnue. Oui, je sais où elle est la lame. Enfin, je l'ai trouvée. T'as trois utilisations. Une fois que les utilisations sont créées, faut attendre comme le. Ah d'accord. Ok. Ouh. Alors, comment je fais pour balancer un arc? Bon, on va passer par là. Qu'est-ce qu'on a comme arc qui sent vraiment le gauchisme exacerbé? Celui-là. Jeter. Ouvrir. Oui, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Je l'ai dit. Voilà. J'en proche. Ok. Alors. Ce qu'on va faire. Voici la carte qui est à ma disposition. Ah, alors attendez, parce que je crois... On va aller dans cette tour-là. Parce que je crois qu'il y a un genre village des glaces dans le coin. Aussi très bien pour Regen, je ne suis pas sûr. D'accord. Notez. Je crois que dans le coin là-bas, c'est la zone de glace, et du coup, j'ai pas trop exploré. Et si ça se trouve, il y a des machins qui se cachent. Il faut que je remette le détecteur en détecteur de sanctuaire aussi. Bon, et que je sauvegarde la partie. Ok, plein de choses auxquelles penser, on va y arriver. J'ai confiance. J'ai totalement, totalement confiance. Je sais que ça se sent pas, mais j'ai confiance. Ah, monsieur Oeuf, j'ai aucune idée de ce que je fais. J'ai repris le jeu pour la première fois depuis 6 mois, à peu près. Du coup, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Donc, je ne savais pas qu'il y avait un boss des sables. Mais ok, il y a un boss des sables. Je crois qu'il y en a un dans le monde de la lave aussi, j'en déduis. Mais c'est à peu près tout ce que je sais. Sauvegarder la partie. On va commencer par là. Oui. Mais pour l'instant, j'aimerais bien trouver la Master Sword. Et je... Il faut que je trouve des sanctuaires. Ça, c'est un sanctuaire, là-bas. Ça ressemble à un sanctuaire. Est-ce que je peux l'atteindre d'ici ou est-ce que je rêve éveillé? Je rêve éveillé, mais au dernier degré. Alors. Non. Oui, c'est ce que je cherchais. Sanctuaire. Oui, c'est déjà réglé sur sanctuaire. Parfait. Évite de faire les boss de Gerudo en dernier, c'est pas forcément une bonne idée. D'accord. Donc d'abord, on fera le boss des Gerudo. Ok. Il y a un truc qui sonne. Il y a un truc qui sonne. Ça sonne par où? C'est par là? J'ai jamais pigé comment il marchait ce détecteur, en fait. Il y a quoi? C'est quoi ce truc? Ah!
Ah, mais pour faire de la gelée chuchu rouge, il suffit pas juste que je crame de la gelée chuchu normale? Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un truc dans le coin. Mais est-ce que ça veut dire que c'est proche ou que c'est pas proche? Est-ce que ça peut être le machin que j'ai noté qui fait blup blup? Question subsidiaire. Combien de chances sur 1 million j'ai de monter cette montagne en passant par là? Ah oui, beaucoup de choses qui sont dites. Attendez 2 secondes. Et pour celui-là, il faut se préparer. Faut pas préparer, fonce souvent la gueule sur celui-là. Zone de lave. Mais là, on va pas y aller tout de suite encore. Donc, messieurs, du calme sur les guerriers d'eau. On va pas y aller tout de suite. Là, le but, ça va être de récupérer un nouveau conteneur de cœur. Mais attendez, avec mes cœurs jaunes, je peux y aller direct, non? Ou ça utilisera pas les cœurs jaunes? Ça va demander un peu d'escalade, mais ça se tente. Ok. Les jaunes ne marchent pas. Ouais, je me disais aussi. Oh, un joli coffre. Ouh. J'aime ton flow, j'aime ton style, mais surtout j'aime ta maille. Non, je suis pas passé à 2 mètres du machin qui veut essayer de me buter, qui fouille la zone, c'est pas vrai. Bonjour Zadiz. Ok. Est-ce que je peux passer par là? On va essayer d'utiliser notre nouveau pouvoir uniquement quand on sera coince-masse. Genre vraiment, vraiment coince-masse. Attendant, si on trouve un endroit pour monter, on montera. Alors. Donc tu es à proximité. Et on passe par là. Dans cette plaine qui n'a l'air absolument pas suspicieuse d'une manière ou d'une autre. Là, j'ai l'impression qu'il y a un chemin qui monte encore un peu, donc ça nous rapprocherait de notre objectif. Enfin, de ce que je pensais être notre objectif. Il y a un truc là. Est-ce que j'ai déjà pris en photo? Photo! Non. Comment on zoome? Comment on zoome? Moins. Non. Ah, ouais. C'est un loup. Et le loup est un loup pour l'homme. Alors. Non mais moi j'aime bien les loups, je suis un homme qui aime les loups, moi j'ai pas envie de me battre contre des loups. J'aime danser avec les loups. Le nez d'antique. Oh merde. On va sauvegarder la partie. Alors. Il y a peut-être un souvenir dans le coin. On va regarder ça. Il y a des énormes trucs à la place des mains. C'est quoi ce bourrin là? Bon, contournons-le d'une manière discrète mais efficace. Il y en a partout! Non mais foutez-moi la paix! Non mais foutez-moi tous la paix! Y'a quoi ici? Oh y'a un souvenir! Effectivement ça ressemble.
C'est ici que j'ai roulé ma première pelle. J'ai même mis une main sur les nichons. Je m'en souviens comme si c'était hier. Bah, j'ai pas l'air très loin de la vérité. Non, ça ne fonctionne pas. J'en étais sûre. Ces ruines ont été conçues pour l'élu de l'épée purificatrice. C'est la seule explication. Est-ce que tu voudrais dire que ces ruines sont machistes éventuellement? Mais je n'arrive pas à comprendre comment cette porte s'active. Pourtant, il y a forcément un moyen d'entrer. Oh. Bonjour! Mais pourquoi tu fais la gueule, Pitchounette? Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de tes services aujourd'hui. Ah, ça a l'air tendu quand même. Je me moque que tu sois là sur ordre du roi. Je suis la première concernée et je ne veux pas de ta protection. J'avais juste envie de voir tes belles jambes. Et rapporte mes paroles à mon père. Et cesse de me suivre à la fin! Ah, tous ces bons souvenirs qu'on partage avec notre copine Zelda! Ah, ça donne vraiment envie de la sauver, dis donc! Et tu te souviens le jour où elle t'a engueulé comme une merde parce que t'as essayé de lui sauver les miches? Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse! Bonjour. Est-ce que j'ai des orbes en stock au fait? Journal? Où je vois ça? Il y a un écran qui affichait. Peut-être sur la map. Non? Bon, bref. En route. On va essayer de se trouver des sanctuaires et on va essayer de se trouver de quoi récupérer.